c'est le moment où il va me parler de la découverte de la moto, des modes de conduite et de ce que je peux faire avec. Mais pour être très franche avec vous, la seule chose que j'ai en tête, c'est mon Dieu, est-ce que je vais y arriver et est-ce que je touche par terre? Est-ce que t'as beaucoup de femmes qui achètent cette moto? On a peu de femmes qui roulent en Afrique à Twin. Je pense que c'est dû au côté un peu baroudeur de la moto et puis à sa taille. Elle est impressionnante. Exactement. Et du coup, je vais peut-être pouvoir dire au final à mon CTC que ça se conduit facilement. Ça se speed, ça se conduit. Ouais. Allez, on va. Bon, si t'as bien compris, le concept de cette vidéo, c'est pas de te faire un plan en long, en large, en travers de ce que tu peux faire avec cette moto, ni de ses caractéristiques techniques. Parce que ça, on va pas se mentir, il y a des vidéos et des youtubeurs qui te le font mieux que moi. Non, c'est plutôt de vous dire qu'au début, j'avais vraiment un a priori sur les trails. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, j'avais vraiment pas envie de piloter ce genre de moto. Ça m'attirait pas. Mais au fur et à mesure des années et de faire plein d'essais, eh ben, j'ai eu envie. Et pourquoi? Notamment pour la pratique de l'off-road. Peut-être de voir les copains comme Clara Ceteo ou encore Tom Barrard qui s'éclatent avec. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Et donc, pour s'y mettre, il faut bien commencer par quelque chose. En passant de la Ténéré à la Tiger, j'ai eu plein d'opportunités. Mais aujourd'hui, grâce à Honda Moto Poitiers, j'ai pu mettre mes fesses sur cette magnifique Africa Twin Adventure. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, je me suis bien éclatée. Ok, vous allez vous dire, bah ouais, mais elle a l'air grande. C'est pas faux, je suis 1m70, mais en même temps, c'est pas le modèle rabaissé. Donc ça veut dire que si vous êtes un peu plus petit, il y a sûrement quelque chose qui vous convient. En tout cas, arrêtez de vous faire des a priori, de vous dire que c'est pas possible ou autre, et vous trouvez des excuses. Hein. Allez tout simplement en concession et testez. Parce que franchement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai kiffé.